Commencez par observer votre respiration. Et amenez petit à petit votre attention à être focalisée au centre silencieux de votre être. À partir de ce centre silencieux, observez votre activité physique dans l'instant. Observez sans jugement. Observez simplement ce qui est, sans vouloir changer quoi que ce soit. Réalisez que dans ce centre silencieux, vous êtes complètement détaché de l'activité physique. À partir du centre silencieux, observez l'activité émotionnelle, qu'elle soit connotée positive ou négative. Observez cette activité, ces émotions, sans jugement. Prenez simplement note de ce qui est. Et réalisez que peu importe l'activité émotionnelle, au centre silencieux, vous en êtes complètement détaché. À partir du centre silencieux, observez maintenant l'activité de votre mental. Observez les pensées, les idées, les images. Observez sans vouloir intervenir, sans jugement. Prenez simplement note de ce qui est. Et dans ce centre silencieux, vous réalisez que vous êtes complètement détaché de l'activité mentale. Dans cet endroit de silence, vous expérimentez la sérénité, l'harmonie, la vitalité, la clairvoyance.
Retirez votre attention maintenant vers le centre du cœur qui se trouve à environ 7 cm derrière la colonne vertébrale, entre les omoplates. Visualisez le centre du cœur comme un lotus ouvert, avec dans son centre cette lumière bleuâtre. Placez votre attention dans le centre de cette lumière bleuâtre. Respirez cette lumière. En respirant cette lumière, nous devenons la lumière. Nous devenons l'énergie du cœur. Et à partir de cette énergie de cœur, nous reconnaissons l'énergie de cœur de toutes les personnes méditant en ce moment de pleine lune. Et nous fusionnons en une seule vibration de cœur, le cœur de groupe. À partir de ce cœur de groupe, nous plaçons notre attention au niveau du centre de notre tête, là où la lumière de la conscience de l'âme illumine notre mental. En plaçant notre attention à ce niveau-là, nous fusionnons avec cette conscience illuminée par la conscience de l'âme. Observez ce canal lumineux qui relie notre mental illuminé à la conscience de l'âme que nous visualisons au-dessus de nous, une sphère lumineuse, étincelante. Ressentez comment vous êtes aspiré vers le centre de la conscience de l'âme. Fusionnez petit à petit avec cette conscience d'âme. Devenez âme. En tant qu'âme, visualisez les âmes étincelantes de toutes les personnes méditant en ce moment de la pleine lune de Vesak. Et nous fusionnons en une seule âme étincelante. Une seule âme de groupe.
En tant que ce groupe, nous énonçons ensemble le mantra de fusion de groupe. Je suis un avec mes frères et sœurs de groupe, et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. Visualisez au-dessus de vous cette lumière, cette énergie subtile qui nous parvient de la hiérarchie, les êtres lumineux. Ressentez comment il nous appelle, comment il nous accueille, nous fusionnons avec cette vibration de ces êtres. Et de là, nous sommes aspirés par la fréquence de l'amour christique. Laissez-vous imprégner par cette fréquence de la conscience de l'amour christique. Unis dans cette vibration. Nous sommes aspirés, nous nous élevons davantage vers la conscience de la sagesse bouddhique. Et nous devenons un avec cette fréquence. Unis dans ces vibrations, dans cette conscience d'amour christique et de sagesse bouddhique, nous nous concentrons dans ce point le plus élevé de Shambhala, le point de réception des énergies de la constellation du taureau. En ce moment de pleine lune Vesak.
au niveau de Shambhala. Nous expérimentons, nous nous laissons imprégner par les énergies de force et de détermination de Vulcain qui nous permettent de ne pas céder à nos pulsions inférieures. Libérée de l'ombre des pulsions inférieures, la lumière révèle la vérité des expériences de l'humanité. Et nous plaçons la phrase clé de Vulcain. Je vois et lorsque l'œil est ouvert, tout est illuminé. Et nous nous laissons imprégner par l'énergie qui se trouve derrière cette phrase.
Entendez le Om universel résonner. Sa vibration transporte ses énergies reçues à travers Shambhala. À travers la conscience bouddhique. À travers la conscience christique. Vers les êtres lumineux, la hiérarchie. Vers les âmes de méditants que nous sommes et nous réceptionnons la lumière qui amène la clarté sur ce qui est. En tant que groupe d'âmes de méditants, nous énonçons l'affirmation de l'amour. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Et nous énonçons en tant qu'âme de groupe un Om intérieur. Revenez à votre conscience d'âme individuelle. Et le Om continue à diffuser ses énergies perçues à travers notre être, les distribuant ainsi à toute l'humanité, à tous les terriens. Nous accompagnons cela en énonçant la grande invocation du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre.
du point d'amour dans le cœur de Dieu. Que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue. Que le dessein guide le faible vouloir des hommes. Le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Orientez vos sens vers l'extérieur. Reprenez conscience d'être dans le ici et maintenant. Reprenez conscience de votre respiration. Prenez quelques respirations profondes et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.